Les amis, j'ai été surpris que notre frère ci, notre feu frère ci, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il n'est plus de ce monde. Laissons, passons. Quel est le rôle du premier ministre? Gérer l'équipe gouvernementale? On parle de quoi? Le premier ministre est là pour remplir l'organigramme. Il gère quelle équipe gouvernementale? Je sais. Il connaît qu'on nomme un ministre comment? Expliquez-moi. Pour moi, c'est un monsieur qui a beaucoup, je voudrais dire, il a beaucoup œuvré pour l'art camerounais. Je suis en train de faire le journal du bien. Le journal du bien, c'est bien la mer. Donc, le monsieur, si on l'appelle, on l'appelait Aristide Cardinal. À l'époque, quand j'étais encore, je crois que j'étais encore au lycée, au second cycle, il faisait des petits trucs de riz à la chaîne de télévision STV. Il faisait les trucs de... Donc, si tu écris certains orthographes, si tu écris mal des orthographes, si tu écris les plaques, il filmait, il se faisait le mot. Donc, c'est un peu les trucs... Nous, on a modernisé ça. Ça, c'est l'un des premiers qui a commencé à faire... Vous avez connu mon concept, 5 minutes de riz. C'est, en fait, voilà l'un des gars qui a commencé ça au pays. Monsieur le dictionnaire, le petit Albert de Barouan, qu'est-ce qui peut être amélioré ou bien corrigé dans la situation actuelle? On dit... Le président nomme le gouvernement sur proposition du premier ministre. Et on nomme même les ministres avant de nommer le premier ministre. Mais vraiment, il faut pas nous prendre pour des cons. Expliquez-moi bien. Il n'y a pas de premier ministre au Cameroun. C'est l'ensemble des choses que je dis qu'il faut corriger. Tu dis qu'il n'y a pas de premier ministre où? Au Cameroun. Ne parle pas ça deux fois. Sauf que, à l'époque, l'information n'était pas encore trop avancée. Il faisait ça juste avec les caméras et les gars montaient. Il filmait les plaques. Vous l'avez connu, ce qui est sûr, vous l'avez connu. Aristide Cardinal, il faisait tellement rire. Moi, je regardais beaucoup STV parce que j'attendais que les moments de ce monsieur. Après, il est allé à la CRTV. Il a continué à la CRTV avec son même programme-là qu'il avait à STV. Mais à la CRTV, ça s'appelait Orthographe. Orthographe, il faisait tellement... Donc pour moi, c'est un humoriste. Mais il faisait rire à partir de son art, de ce qu'il avait mis sur pied. Il était unique en son genre. Donc, il faisait rire les gens. C'était toujours les fautes d'orthographe comme ça. Il marchait dans la rue. Ce n'était pas aussi facile que ça. Parfois, on le voyait, il soulève les feuilles de bananier comme ça. Il soulevait ses lunettes bizarres. On nous a annoncé qu'il est décédé. C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Notre frère Aristide Cardinal n'est plus de ce monde et nous a quittés jusqu'ici. À travers les publications qu'on a vues sur les réseaux, on ne sait s'il était malade, si c'était un accident, on ne connaît rien. On a seulement vu les posts que Aristide Cardinal n'est plus. Que ton âme repose en paix. Et mes sincères condoléances à la famille Aristide. Je vais shooter ma vidéo en vous présentant ce grand homme, ce grand monsieur que j'ai fait sa connaissance il y a de cela quelques jours dans un hôtel de la place. Il installait les caméras. Quand je suis arrivé là-bas, on me présentait l'hôtel pour faire la com de l'hôtel. C'était un R plus 4. Le monsieur installait les caméras. J'ai vu seulement sa façon de travailler. J'ai invité le monsieur à venir installer également les caméras dans mon nouveau laboratoire que je viens de créer. Je viens de mettre sur pied à Ekounou. Le monsieur est tellement fort. À partir de votre téléphone, peu importe même le pays, même si vous êtes en France, en Chine, je ne sais pas, au Canada, vous pouvez contrôler vos entreprises à distance. C'est-à-dire qu'il installe les caméras et il installe un système dans votre téléphone qui vous permet de contrôler vos caméras de surveillance, de contrôler vos entreprises. Oui, contactez, voilà son numéro en bas de l'écran. Même si tu as quelle entreprise, même si tu as quel hôtel, même si tu as quel bâtiment, tu veux installer les caméras de surveillance, contactez le monsieur. Si il est très efficace, il vous dit c'est un génie. Oui, c'est un génie. Il est trop fort. Les caméras qu'on installe parfois en une semaine ou en quatre, il a installé les caméras dans mon laboratoire comme ça en 2 jours. 2 jours. Donc, contactez-le. C'est moi qui vous conseille ce monsieur. Je dis, il est très fort. Les amis, il y a une promotion que j'ai lancée au laboratoire Photo Vision Pro. Donc, tous mes projecteurs, vous voulez laver les photos, venez, c'est 200 francs. Allant de ce jour
le 22 janvier aujourd'hui au 10 février. Vous venez laver vos photos dans vos smartphones, tablettes, téléphones à 200 francs. Et les photographes, pour ceux qui viendront tirer les photos chez moi, 100 photos, on vous offre 10 photos gratuites ou bien un tirage 30-45 gratuit. J'espère que le message est passé. Je vous attends au laboratoire Vision Pro situé à Ekounou. C'est à 200 mètres du carrefour Ekounou en descendant en allant à Carrousel à votre droite. Et si vous venez du côté de Carrousel, c'est à 400 mètres, juste après la grande pente, la colline là, à votre gauche. Je vous attends, nombreux. Venez soutenir Franco Le Mignon. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.